Salut, salut! Alors, je suis pas toute seule pour cette vidéo. Tada! Oh, c'est beau ça, ce qu'on vient de faire. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, Amy va faire mes petits cheveux. Bonjour, Ryan. Donc, il y a Amy qui m'a rejoint aujourd'hui. Je suis trop contente, ça fait du bien. Vous le verrez aussi un petit peu demain dans le vlog. N'est-ce pas? Attends, j'attendais que Prout passe. Oui. Ah, j'ai cru que tu allais dire que tu attendais de faire un prout. Donc là, elle va faire mes cheveux. On va refaire des mèches donc avec le Sayos, hein, celui qu'elle m'a conseillé. Et on va faire les mèches Manic Panic avec le Atomic Turquoise et le Vénus Envie. Donc voilà. Le reste, c'est elle qui gère, c'est elle qui parle. Donc, elle va vous expliquer en gros ce que j'ai mal fait la dernière fois que j'ai fait les mèches. Vas-y. Donc, comme je lui disais la dernière fois, c'est pas qu'elle a mal fait, c'est juste qu'elle a fondu ses mèches. Donc, du coup, ça lui faisait des méga barres. Des babars! Surtout à l'arrière, parce qu'elle a eu la bonne idée de vouloir se faire des mèches juste à l'arrière. Et quand elle a montré ses cheveux d'arrière après Manic Panic, alors oui, c'était très joli parce qu'il y avait la couleur. Le souci, c'est que la couleur n'avait pas pris partout et qu'on voyait que la barre. Donc du coup, je vais juste lui refaire ses mèches. Rien de bien, bien compliqué pour moi, peut-être pas pour tout le monde. Et je vais me battre avec elle parce que je vois que tu as déjà des nœuds du futur derrière. Oui, je t'ai mis là, la... je t'ai tout préparé, oui, t'as vu ça? Elle m'a même fait des listes. J'aime bien les to-do list. Oui, je sais. Alors, voilà. Fracassée. C'est toi qui m'as offerte la to-do list. Oui, mais t'es fracassée quand même. Donc, du coup, je vais lui demander de faire s'arrêter correctement au milieu pour que moi, parce que moi, je ne suis pas droite. Et je vais principalement lui refaire des mèches sur l'avant, parce que c'est ce qu'elle monte le plus, sans lui faire des barres juste au-dessus de la tête cette fois-ci. Donc du coup, tu vas nous faire ta raie. Mais je vois rien. Bah, tu remets tes lunettes pour faire ta raie. Trou de balle. Elle parle de raie et de trou de balle. Je te jure. Mais l'appareil est un peu loin. Bah, elle est bien faite, ma raie. C'est pas pour être méchante, hein, mais là, c'est ça, et puis ça, et Mais c'est ma raie naturelle. C'est comme celle de mon cul. Du coup, moi... T'as qu'à la faire, la raie. Après tout, c'est toi la coiffeuse. Moi, je vais Tiens. Préparer les produits. Ah non, elle prépare les produits. Hop, bon, donne-moi ça, la brosse. Allez, assistante. Non mais. Je veux enfin être coiffée parce que là, j'ai pas pu mettre de produits, de soins dans mes cheveux. Je deviens folle, j'ai pas pu les lisser, j'ai rien pu faire. Ah, ça, j'aurais pu le lisser. T'aurais pu me dire avant. Parce que Mais. là, je me retrouve avec elle choucroutasse, moins choucrouteuse, mais une choucroutasse quand même. T'aurais pu les lisser, c'est juste qu'il fallait pas que tu mettes de produits de lissage dessus, c'est tout. Ben voilà. Oui, parce que quand vous faites des colos comme ça, il faut éviter de foutre des produits dessus juste avant, parce que vous englobez le cheveu et donc le cheveu prendra moins. Petite astuce. De Mimi Fofolle. Sais même, parce que c'est moi que t'appelles Mimi Fofolle. J'ai ton gigot qui est en train de me grimper dessus. Alors, mon gigot, c'est Lilou. Hein. Oui, c'est le petit gigot. Ouais, parce que tu vois, moi je tremble, qu'est-ce que tu veux que je te fasse un truc droit? Là, ça sera toujours plus droit que ce que j'avais, apparemment. Oui, pas compris. Vous allez voir après dans cette vidéo comme elle est méchante et qu'elle se fout tout le temps de ma gueule. Ouais, ce qui est bien, c'est que vu que les cheveux ont bien poussé, si je fais les mèches au bon endroit, logiquement, on n'aura pas trop de soucis. Ok, Heureusement que j'ai les cheveux qui poussent hyper vite. donc finalement, tu mets ta capote ou tu mets pas ta capote sur l'oreille? Capote. Attends, je te fais les séparations, comme ça t'es tranquille, t'as la place pour tes capotes. Ah. Capote d'oreille, hein, précis. Avant que les gens pensent qu'on est en train de faire un gangbang dans ton salon. Oh, bah quelle allure! T'as tombé des épis, toi? Ouais. Vache. Je suis née avec des épis de partout. Je suis un vrai champ de blé. Note que, vu le coût de la vie actuellement, si t'étais un champ de blé, ça pourrait être pas mal. Après tout, j'ai même des épis dans les sourcils. Mais ta capote, enfin tes capotes. Bon, je vais mettre mes capotes, elle prépare le produit et on revient. Voilà. Tu fais des bruits chelous, hein, Gigo. Oui, elle fait le petit cochon.
Alors, ce que vous n'avez pas vu entre temps, c'est qu'elle n'arrête pas de m'engueuler. J'ai mis mes capotes d'oreille. Et on attend que madame ait fini avec son papier d'alu, puisqu'elle est très lente. Oh, ça crée des jolis reflets sur ton teint. Ce qu'elle précise pas, c'est qu'il lui faut un bac plus 5 pour couper de l'alu. Je t'ai juste demandé la taille. J'ai mis mes capotes d'oreilles pour éviter d'avoir du produit sur mes piercings et éviter qu'elle me les arrache aussi. Oui, parce que de base, ça coûte pour les verres. De base, elle ne voulait pas mettre de capotes, mais je lui ai dit que c'est un tout petit peu de décolorant sur un 3 vif. J'aurais eu le droit à une jolie sérénade d'insulte, suivie par une petite danse de cul du cucu, mais pas spécialement positive. Ah, ouais, attends, je vais nourrir les chiens. Ah, bon. Vas-y, tiens leur compagnie. Bon, bah, je vous tiens compagnie, hein, écoutez. Je suis arrivée à 9h, il va être 10h quand même déjà. Bon, ça va, hein. Que voulez-vous, hein, madame la ministre? La queen? Non. C'est comme j'ai dit à Damien, je suis arrivée chez Queen Grand-Mère. Non, c'est Mamie Queen. Tout le monde m'appelle comme ça maintenant à cause de toi. Bon, tout le monde l'appelle le dindon, lui, à cause de moi, mais oui, on s'en fout. Ouais. Ça. Donc là... Bon, mamie, on veut des grosses verdis. Attention, elle est concentrée. Hop. Bah oui, c'est un minimum syndical quand on fait ce genre de truc. En plus, t'as les cheveux électriques. Mais c'est normal, j'ai pas de soin. Oui, mais bon, il y a un moment, tu veux faire comme la dernière fois et finir orange. Mais non. Donc, bon, faut choisir, hein. Je veux mes jolies mèches turquoise et vertes. Et hop là, elle tartine. Tout avec délicatesse. Amy est tellement délicate. Oui, bah, je serais curieuse de voir comment tu les fais, toi, tiens, ta mèche. Je me marre. Voilà, semblait bien. J'avais pas fait une vidéo. Je vais vous montrer une ou demi. Ça m'étonnerait que tu sois aussi délicate pendant tout le truc. Hein. Au bout de trois mèches, ça doit te gonfler déjà. Ou je dis que c'est pas vrai. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, donc... Après, c'est pas vrai. J'ai pas de patience quand je veux quelque chose, mais j'ai de la patience pour obtenir ce que je veux. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, c'est comme quand, bah, quand je dois me coiffer ou des trucs comme ça, j'ai beaucoup de patience pour le faire. Mmh. Après, j'ai pas de patience parce que j'ai envie de le faire et qu'il faut que je le fasse tout de suite. Et deux minutes. Et une papillette, faut une. Pour rechoppler ce qui est là-bas, si tu veux bien. Bah oui, je veux bien. Que je me nettoie les mains pour éviter de refaire des tâches. Voilà, du coup, attends 35 minutes. Pourquoi tu fais boubou boubou boubou? Parce que tu parles avec le peigne dans la bouche. Non, les cheveux blancs. Mais dis pas ça devant mon royaume. Bah, ils savent que t'as des cheveux blancs. Hein. Ou du moins, s'ils ne le savent pas, c'est soit qu'ils sont aveugles, soit qu'ils sont aveugles. Voilà, vous avez vu le respect pour Mamie Queen. Hein. Absolument. Mmh, je confirme. J'en profite pour une fois de me laisser. Bah, c'est normal, t'as mes cheveux en main, je n'ai pas fini le chauffe. D'où le fait que j'en profite. Maintenant elle chante. Oui, bah. Mais tu vas déjà suffire, hein. Je te signale que je viens jusqu'à toi pour te faire une tignasse de rêve. No respect, quoi. Et puis comme ça, ce soir, je mets les bigoudis au chine. Oui, non, tu gâches pas tout mon boulot, déjà. Ça va aller, oui, t'as d'autres conneries, non? Je te dis, j'ai montré la vidéo quand on a été manger chez mes parents la dernière fois, là. Ils étaient tous morts de rire, je sais pas pourquoi. C'est parti en fou rire général à la maison, là. On se demande vraiment pourquoi. Mon frère, il attendait de voir le résultat. Quand il a vu le résultat, il a éclaté de rire. Franchement, je comprends pas. Non. C'était tellement beau. Ça a été un des plus gros fou rires de mon année 2022. Je pense que rien ne le surpassera. J'ai jamais autant envie que quand j'ai regardé cette vidéo. Je vais avouer que moi, je me suis fondu la gueule rien qu'en refaisant le montage.
Genre pleurer de rire en faisant le montage, t'es. Je comprends déjà pas comment t'as fait pour garder ton sérieux pendant la vidéo. Bah, vu le fou rire que je me suis pris, c'est pas vraiment du sérieux. Hein. Concentration. Oui. Profitez les gars, c'est la seule fois où vous me verrez concentrer. J'allais le dire. Mais moi, j'ai pas besoin de toi pour dire des crasses sur mon moi-même, je vais le faire toute seule. Sur mon moi-même. Je vais le faire toute seule. Oui, mais t'aimes bien quand je dis des crasses sur ton toi-même. Faut que je mente ou que je dise la vérité. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Oh putain. Je t'adore. Tu vas vouloir m'épouser. On est très taquine ensemble. Oui, c'est normal, hein, avant que les gens disent qu'on est méchants. C'est ça. On adore se foutre de la gueule l'une de l'autre. Ça arrive une fois sur l'année qu'on se dise réellement des gentillesses et qu'on soit pleine d'amour. Oh, c'est pas vrai, t'es une menteuse. Parce qu'après, on est toutes les trois en train de chialer, donc du coup, on a l'air con. Chose qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Faut préciser quand même. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez compris le principe des mèches. Hein? Je vous reprends, enfin on vous reprend du coup, quand elle a tout montré pour vous montrer mon gracieux minois avec les papillotes et que je pourrais capter Canal+, la télé satellite et tout. Et voilà. Donc voilà où ce qu'on en est, il est 10h30, donc ouais bah t'as mis une demi-heure pour faire les mèches. Donc là j'ai une tête un peu... Ouais, et Mimi va vérifier la première de dessous. Mimi vérifie. J'aime bien comme elle parle d'elle à la troisième personne, vous avez remarqué. Oui, c'est bon, ça prend. Ça prend, ça prend. Voilà. Donc, on vous reprendra quand elle enlève les papillotes pour voir comment ça a pris. Oui, on est hyper motivés. Hein. Voilà, une fois qu'on est réunis, c'est encore pire que quand on n'est pas ensemble. Hein? Oui. Déjà par écrit, on est... Oh putain, la pauvre Manon. Des fois, on se dit, quand elle va lire nos conneries, elle va encore dire, mais où je suis tombée? Quand elle rattrape les conversations, je suis sûre qu'elle fait... À mon avis, elle doit faire... Mais tu sais, pendant 10 minutes de suite, quoi. Probablement. Voilà. Bon, allez, on vous reprend tout à l'heure. Donc, on est prête pour le déballage. Déballe, Mimi, déballe. Je déballe, je déballe. Elle déballe. Et elle va me masser. Les mèches. Bon, après, tu peux insister un peu dans le dos aussi. Non ? D'accord. Ça sera juste les mèches, donc. Et c'est surtout qu'étant donné qu'on a rincé dans l'évier, peut-être mieux d'enlever les alus avant. Comme ça, attends, je t'enlève les nœuds. Elle a fait des nœuds dans mes cheveux. J'ai pas fait des nœuds dans tes cheveux, j'ai fait des nœuds dans tes épis. Oui, c'est bien. De toute façon, on va rincer tout de suite, sinon on va te faire des taches partout. Ouais. Ah, on... elle m'arrache la tif. Les tifs. La tif. Je voulais dire la touffe. La touffe ou les tifs en même temps, ça donne la tif. Oh, sympa. Je sais pas, je vois rien. Ben, sympa. Je t'ai fait confiance, hein. Pour recolorer derrière. Oui, je lui fais confiance. Incroyable, mais vrai. De temps en temps. De temps en temps. Et ceux qui sont bons, là ? Mais non. Enfin, je sais pas s'il y a besoin de les couper ou pas. J'ai coupé un petit peu. Comme d'hab. Alors, quand ils seront mouillés, je vais encore regarder, puis elle va encore dire que c'est pas droit. Oui, probablement. Comme d'hab. Et voilà, on peut les rincer. Bon, on va rincer et on revient bah, quand c'est sec. Hein. Bon, attendez, elle arrive. Hein. Non. Non. Je ne reviens plus jamais. Bah si, t'as pas fini. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on en est là. On lui a fait les mèmèches partout. Enfin, partout. On lui a fait les mèmèches. Et maintenant, ben, on est parti pour lui faire un petit tricolore. Hein. Un petit tricolore. Étant donné que sur les mèches, elle veut deux couleurs différentes de Manic Panic. Parce c'est que, pas moi qui ai dit, c'est Manic Panic qui a choisi. Parce qu'elle elle ne peut pas faire les choses de manière simple et elle s'en bat les couilles étant donné que c'est pas elle qui le fait de toute façon. Surtout. Et sur les longueurs où on va pas faire, on n'a pas fait de mèche, on va lui rajouter le peacock de Crazy Color. Parce que mamie aime bien faire des choses
chiante. Ça, c'est toi qui as dit. Ouvre-moi les manettes panique. Ça, c'est quelque chose. Si je le fais, je vais te le lancer. Je le dis de manière très... T'es au courant que je vais pas forcément être plus doué que toi. Oui, mais tu les lanceras pas étant donné que c'est toi qui les as payés. Ah si, ça va, regarde, j'ai réussi à choper le bout. J'ai juste essayé de pas m'en foutre les doigts. Et il me faut mon essuie spécial, je peux le tâcher. Bah ben, celui que tu prends tout à l'heure. Ok, bon, du coup. Parce que elle a les gants en taille M, mais moi j'ai des mains de Shrek. Donc pour rentrer dedans, je ne comprends pas. Oula, fâche. Oh bah ben, bravo. Bah t'es pas doué. Hein. Il m'a sclabouché. Enfoiré. T'es pas doué. Tiens, comme ça tu pourras récupérer ce qu'il y a sur le truc. Vas-y, fais-moi le deuxième. Moi je vais faire une séparation. Mais je suis pas doué moi. Quelle organisation. Ouh la vache. Je n'aime pas dévisser. Ah mais il est collé. Ah. Ceci explique cela. Bon, si je m'endors en plein milieu de la vadaio, vous me réveillez, hein, parce que moi, une fois qu'on me chipote les cheveux, c'est comme les gratouilles dans le dos, c'est soporifique. Puis Amy est soporifique aussi. Hé hey connasse. Moi aussi, je t'aime. Non. Mais si. Non. Mais si. Tu es une si. Ah, ça va mieux une fois qu'il n'y a plus de truc qui colle. T'as remarqué ça déjà? T'aurais dû faudrait que tu précises dans le titre qu'au final tu veux une coiffure licorne, hein, parce que là c'est clairement ça. Le titre c'est Mimi Fofolle me fait mes cheveux. Carnage capillaire en direct. Oh mais c'est chiant ouvrir ces trucs là. Bon, mais il fait un trou dedans avec les ciseaux, hein. Ben non, je vais salir mon ciseau. Bon, je peux le niquer l'essuie. Oui. Ok. Bon. Fais un trou avec des ciseaux, non? J'ai pas dit fais le tour comme si c'était... Un pot de confiture. Un pot de confiture, hein. J'ai dit fais un trou. Et après, tu sais pas glisser tes mains de Shrek. Mais si. Par contre, t'as pas intérêt à te mettre contre la chaise. Oui. Je préviens d'avance. Oui, maman. Bah, sinon, tu vas niquer ta chaise. Oui, maman. Vraiment, ça fait... ça fait niquer beaucoup de choses, décidément. Mamie, t'es dégueulasse. Mais c'est pas moi. Attends, je vais essuyer parce que ouais, je vais m'en foutre partout. Tu te rapproches dangereusement de ta chaise. Tiens-toi droite. Ouais, c'est vraiment ça parce que là. Ou alors recule ta chaise et avance-toi si tu veux. Désolée. Je dis ça pour. Ma chaise. Ta chaise. Je sais, j'avais compris. Oui, mais tu me regardes en mode. En mode ouin-ouin là. Donc, explique comment tu procèdes. Ben, je fais le manique panique sur... Enfin, je fais le turquoise et le vert une mèche sur deux. Ouais. Je mélange les deux. Et sur les mèches qu'on n'a pas décolorées, je lui fais le peacock de Crazy Tiens Pas. Crazy Tiens Pas. Moi, ça tient bien. Mais tu vois, je crois que c'est avec le turquoise que tu avais tes problèmes de... De nom pris sur les hauteurs. Je le vois direct en appliquant. Ah bon? Oui. On va voir ce que ça va donner après. Mais je pense que ça vient de là. Et du coup, tu dois pas les remballer les mèches pour pas... Tu les mettras dans la charlotte après. C'est entre guillemets pas grave si elles se mélangent. Hein, vu que c'est du bleu et du vert. Mais je pense pas que tu aurais besoin de les mettre dans la charlotte. Que de toute manière, on va quand même devoir te les attacher parce que si. Je rêve. Pas sur toi, hein, parce que toi, t'es habillée. Moi, je suis en pyjama et en pull spécial colo. Mais toi, t'es en jeans. Non, parce qu'en même temps, il faut que je rattrape tes racines que t'as oubliées. Non, c'est pas que je les ai oubliées. C'est que je fais les choses à moitié pour aller plus vite. Voilà. Ce que je vais faire déjà. Ça. De toute façon, il y en a encore un du peacock si tu en fous. Hop. Bon, du coup, on va la laisser faire ça tranquillement et on viendra vous remontrer une fois que j'ai l'allure, puisqu'apparemment elle veut me mettre une charlotte. Bon, après, je l'ai acheté, hein, mais vous m'avez déjà vu avec, hein, mais de manière très gracieuse. Là, à mon avis, ça sera beaucoup moins gracieux. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, on fait ça et puis on vous reprend après.
Et c'est moi maintenant, c'est ma chaîne YouTube. Elle fait sa pisserie. On a fini d'appliquer les trois couleurs. C'était un peu galère. Mais du coup, elle en a absolument partout. Maintenant, on est parti pour 30 minutes de pause. Et puis, elle viendra vous remontrer. Et alors, c'est pas moi qui ai fait ma colo, hein. Mais j'en ai partout. Voilà. Maintenant, on va manger parce qu'on a faim. T'as faim? Ça va. Elle, ça fait une heure et demie qu'elle a faim déjà. Oui, mais moi, je mange toujours vers 11h, 11h30. Ah, oui, c'est vrai, t'es une mamie, il y a la sieste. Et après, il y a la sieste. Juste. Déjà que je me passe de ma sieste. Tu vas te foutre du verre partout à force de te mettre les cheveux. Bon, allez, on revient après. Voilà. Et regardez comme ça fait... Donc là, je viens d'aller à la douche. En fait, je crois qu'elle m'a envoyé à la douche parce que je puais vraiment le couscous. Mais je vois déjà que ça a bien pris. Je vois déjà que ça... Bon, son crâne a bien pris aussi, hein, actuellement. Elle est toute bleue. Mais je crois que j'ai bien géré mon bordel. Du coup... Sèche-cheveux, bouclage, et je viens vous montrer le résultat final. Et voilà le travail de Mimi Fauvol. Les pauvres, ils vont pas. Quoique, de côté, de ce côté-là, avec la lumière, on voit. Mais elle a, on a fait des plans au téléphone. Et elle a même des photos, donc elle pourra vous montrer la lumière. Voilà, je vous incruste ça au fur et à mesure que je m'admire. Depuis tout à l'heure, je suis ébouillie. Vraiment ébouillie. Merci, ma petite Mimi. Déjà qu'elle a fait toute la route pour venir me faire mes cheveux. Bah, c'était pour me voir à la base. Oui. Je pense. Oui. Et du coup, elle a décidé que ça serait bien de profiter pour faire les cheveux. Oui. Et puis, j'ai bien géré mon pâté, donc je suis contente. Oh, j'adore. C'est ça trop serait loupé, on n'aurait pas terminé la vidéo. Mimi Fauvol, officiellement coiffeuse de la reine. Bah disons que maintenant j'espère que tu ne referas pas la con avec tes cheveux quoi. Non. Parce que tu gâches mes 5 heures de boulot, je peux t'assurer que je fais les 200 km mais juste pour te mettre un coup de pied au cul. Puis je repars. Ah si. Elle oserait faire ça? Oui. Tu sais que j'en serais capable en plus. C'est vrai. Donc voilà ce qui conclut la vidéo. Je pense avec te bouffer. D'ailleurs, je faisais pareil sur sa vidéo. Ouais, on a tourné une vidéo pour ma chaîne, c'était le bordel. Donc, vous l'aurez dans la semaine. Oui. Qui vient. Hein. Donc, de toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que moi, je fais mes barres d'infos. Voilà. Quoi? Je vous mets son Insta aussi parce que je fais vraiment bien mes barres d'infos. Je sais pas comment on va faire la miniature parce qu'il faut pas spoiler. Bah tu fais comme j'ai fait moi. Tu fous un emoji sur ta tronche. Tu mets un gros emoji sur ta tête. Bah non. Bah si, comme ça on voit pas tes cheveux. Bah non. Ah mais j'ai des faux cheveux. Des stickers faux cheveux. Ou bah tu caches juste tes cheveux. Tu fais la miniature en noir et blanc. Non, ou alors on les attache. Enfin. Non. Tu les tiens comme ça. Vas-y. En les cachant le plus possible. Avec un petit air sadique. Ah oui, celle-là elle va être bien. Voilà. Donc, on peut clôturer la vidéo, on a vu notre miniature. Donc, je sais plus ce que je dois dire. Mettez un pouce, un commentaire. Vous pouvez mettre un pouce sur le bas, hein, je sais que je suis dans sa vidéo, donc elle en aura tout plein. Bah non. Bah si, à cause bah de non. Moi. Bah non. Vous mettez pas des pouces en bas. Enfin, de toute façon, je m'en fous. Hein. YouTube, il les prend pour le haut ou pour le bas, il s'en fout. Il faut s'abonner à ta chaîne. Parce que du coup, maintenant que t'es au 4x4, tu vas faire le concours. Bientôt. Ah oui, tu m'as fait faire la fin de vlog. Vas-y, fais la fin de ma vidéo, tiens. Bah, du coup, je viens déjà dire, mettez des pouces en l'air. Pas en bas, sinon c'est pas bien. Ouh, on est pas content. Laissez-lui un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mon travail. Hein, de ces 5 heures acharnées de dur labeur. Et abonnez-vous à sa chaîne. Pour le concours qui arrive bientôt. Et aussi parce qu'elle est chouette quand même. Hein, quand un même, petit peu, de temps en temps. Peu. Quand elle a fait sa sieste. Et au niveau de la mienne aussi. Moi aussi, je veux un peu de fame. Oui, elle profite de ma popularité. Je profite de sa popularité. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, bah, on vous dit bisous, bisous.